Bonsoir, bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir chez vous, Christine Bravo, Pierre Bénichoux, Stevie Boulet, Perry Cochin, Jean-Luc Lemoine et Elsa Fayet. Vous avez l'air fatiguée, Christine. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis épuisée. Pourquoi? Tout à l'heure, elle me dit, oh, je suis épuisée, je me suis levée à 8h30. C'est la première fois depuis, je sais pas, au moins 10 ou 15 ans que je me lève à 8h30 du matin. C'est une vie difficile, hein. Comment? C'est même la première fois depuis 10 ou 15 ans que vous vous levez. Mais comment font les gens? Mais comment Ils font les le gens choix, Christine. Mais c'est horrible. Tu sais comment font les gens? La plupart des gens se lèvent à 7h ou même 6h30 surtout. Non, mais je 5, fais... 6 heures même, comme je... moi, oui, voyez. Oui, mais je travaille jusqu'à, par exemple, pour préparer jusqu'à 3-4 heures du mat, les gens se couchent. Oh, ça, c'est bon. Ah, la mytho. Il y a personne qui a cru une seconde, là. Non, vous êtes dégueu. Ça, c'est drôle. Non, mais bon, je travaille tard, et ma fille va être punie, parce que ce matin, elle est partie à l'école, elle a claqué la porte de l'appart, et ça m'a réveillée. On est compte. Parce que vos filles vous amènent même pas au travail. Non, mais elles m'amènent pas mon café au lait, rien du tout. C'est dégueulasse. Et je me dis, c'est effectivement, à 7 heures du soir, là, je suis naze, quoi. Et dans une heure, je vais me coucher, voilà. Mais je vais prendre goût à me lever le matin. Tiens, dites-moi plutôt, Christine, pourquoi nous portons tous ce petit pins? Parce que c'est la journée du sida. Et donc on le porte tous... De lutte contre le sida. De lutte contre le sida. On le porte tous en taille normale, là. Et on m'en a donné un tout petit, et je veux le montrer parce que... Vous dire que c'est l'année 2005, voilà. Grande cause nationale, hein, voilà. Contre le sida. Et donc, bon, les parents, vous pouvez le porter le petit. Et les enfants, regardez, il y en a un tout petit. Et moi, je vais le donner à ma fille, parce que ma fille, elle a 13 ans, et je pense que la lutte contre le sida, ça commence au collège, avant que les enfants n'aient des relations sexuelles. Et je trouve que c'est bien que les enfants le portent aussi, voilà. Allez, en tout cas, n'oubliez pas, ces petits pins au profit de la lutte contre le sida, c'est la journée mondiale, grande cause nationale, lutte contre le sida. Et aussi, n'oubliez pas non plus, sur France 2, ce week-end, c'est la photo du jour, le Téléthon, n'oubliez pas non plus, c'est un rendez-vous traditionnel sur notre chaîne. Vous pourrez d'ailleurs envoyer vos dons en téléphonant au 36 37, comme chaque année, 36 37, ou sur internet téléthon.fr ou sur Minitel, 36 15, code Téléthon. Ça commence demain soir, et comme tous les ans, hélas, en même temps, sur TF1 sera diffusée samedi soir l'élection des Miss France, au profit de la lutte contre la grippe aviaire. Franchement, c'est quand même dommage qu'une fois de plus, les deux programmes soient diffusés en même temps, surtout que les deux émissions se ressemblent, parce que dans les Miss, autant à la fin, il y a toutes les belles, les meilleures, celles qui sont en finale, mais autant au début, il y a tous les tons. Et alors, j'aimerais surtout vous montrer la une de TV Mag. On voit une photo du groupe des 45 candidates pour l'élection de Miss France. Et est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur cette photo? Il y a beaucoup de brunes. Ça, d'accord. Rien d'autre? Regardez bien, regardez bien. Il y a un mec. Non, il n'y a pas un mec, Pierre. Il y en a pas une qui fait un mauvais geste. Il y en a une qui est habillée. Non. Il y en a une qui fait un mauvais geste. Il y en a une qui fait. Il y en a une. Bravo, Jean-Luc Lemoine. C'est un point pour le qui a vu. Allez! Regardez, on va vous l'encercler. Regardez, on va vous grossir. Regardez, elle, il y en a une un qui fait déjà ça à Madame de Fontenay. Et ça, c'est pas bien, franchement. C'est fou, hein. Il est rajouté. Pas du tout, c'est une posture de danse classique. Non. De Vous voyez le mal partout. C'est impossible, il n'y a personne derrière. Non, mais c'est une loupe, là. L'autre, elle croit qu'il y a une fille avec un gros bras comme ça. On a grossi le truc. Mais ça ne peut pas lui appartenir, c'est pas possible. Regardez la taille normale, vous voyez bien. Ça peut appartenir, je vois qui c'est. Oh, ça va vite pour toi, Elsa, tout ça. Ça va trop vite dans ma tête. Il est temps de passer à la revue de presse et dessins humoristiques de la semaine. Et oui, puisque nous ne serons pas là demain soir, vendredi, ce sera le Téléthon. Alors, on a avancé à jeudi notre rendez-vous traditionnel des dessins humoristiques. Et regardez ce dessin de Pétillon en plusieurs cases. Pétillon, le dessinateur, nous emmène à l'Élysée grâce au canard enchaîné. Et on voit quelqu'un qui veut aller rendre visite au président Chirac et on lui dit « Une recommandation, monsieur. Hein ?
Ne parlez pas au président ni de son anniversaire, ni de sa santé. Ça, je sais, dit tout de suite le visiteur. Oui, mais l'autre lui répond, ni des sondages, ni des présidentielles, ni de Sarkozy, ni de Villepin, ni de l'UMP, ni de la dette du climat social, ni du chômage, ni de la politique intérieure. Ça fait beaucoup, quand même. Dans Le Canard enchaîné, le Fred Touron nous dit que Bernadette Chirac a commémoré avec faste l'anniversaire de son mari. On les voit à table et le président se réjouit à l'avance de son dîner d'anniversaire. Il fait « Ah, qu'est-ce qu'on mange pour mon repas d'anniversaire ?» lui demande le président. Bernadette lui répond « Vous voyez, une soupe de légumes. » « Enfin, une soupe de légumes, c'est pas possible. » Et Bernadette lui répond « Les sondages ont raison, mon ami. Vous ne pesez plus guère dans les décisions intérieures. » Le dessinateur Aurel dans Marianne nous montre le président en pleine déclaration officielle et on voit Monsieur Chirac qui dit « Je m'engage à ce que la SNCF soit et reste une entreprise publique, trois petits points de suspension, et à me baigner dans la Seine avant 2007. » Dans Charlie Hebdo, Luz nous illustre les 100 ans de la séparation de l'Église et de l'État. On en parle beaucoup et là on voit juste Madame Chirac qui dit à son époux « Ce soir Jacques, vous dormirez sur le canapé. » Dans le même journal, Jules nous montre un jeune de banlieue qui s'explique sur les émeutes. Je suis tombé par terre, c'est la faute au Karcher. Je brûle des autos, c'est la faute à Sarko. Dans Le Canard enchaîné, cette fois, le Fred Touron nous propose des nouvelles filières professionnelles pour les jeunes. Et on voit quelqu'un à table, c'est le père de famille, parle à ses enfants. Il dit, tu préfères entrer en apprentissage à 14 ans ou en stage à 28 ans comme ton frère? C'est un sujet dont on reparlera dans cette émission avec M. Patrick Ollier dans un instant. Allez, on passe à gauche avec le dessinateur Cardon dans Le Canard enchaîné qui nous annonce les premiers grands travaux au Parti socialiste. Regardez, un très joli macramé d'éléphant. Oh. Un dessin de Kamal Gourka sur la grippe aviaire. On voit un type au coin d'un mur avec un fusil et un perroquet sur un perchoir qui dit « Coco, en pleine forme, coco, en pleine forme, coco, pas malade !» Et on termine avec un dessin de Gueluc dans VSD. On aime plusieurs dessins. D'abord celui-ci où on voit le papa chat qui dit à son fiston « Si je t'entends encore, tu seras privé de train électrique. » Et le fiston qui dit « Halte aux privatisations. » Et le plus absurde des dessins de Gueluc pour la semaine, on voit le chat, c'est en plusieurs cases, attention, et on voit le chat qui fait « Ouh, le gros gâté, ouh là là là, il va se régaler le chat, ouh, il va se régaler le chat. C'est pour qui ça le bon miam miam ?» C'est pour le chat, il va se régaler. Gros minou, c'est lui qui mange. C'est débile. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Vous n'avez pas compris? Je trouve pas ça drôle du tout. Mais c'est très drôle, c'est absurde. Ah c'est bon? Oui, oui. D'accord. Il faut voir en fait les trois images en même temps, quoi. Non, parce que sinon, on se rappelle plus de la première. Hein? Oh, c'était. Ouh là là, il va. Vous voulez que je vous dise? Relevez-vous tard. C'est un monstre sacré du cinéma que nous avons la chance de recevoir sur ce plateau. Depuis les liaisons dangereuses de Stephen Frears jusqu'à Dans la peau de John Malkovich, en passant par Des souris et des hommes, L'homme au masque de fer, Dans la ligne de mire, Mary Wiley, où il jouait le docteur Jekyll, Jeanne d'Arc de Luc Besson ou même Les joueurs, il a démontré qu'il était un acteur de génie. Il est aussi metteur en scène de théâtre, vous le savez, réalisateur, styliste en plus, on en parlera peut-être avec lui. Il parle tellement bien français qu'à la différence de Stevie, il n'y a même pas besoin de traduction. J'ose espérer que vous aurez reconnu le grand John Malkovich. Il est à l'affiche de Appelez-moi Kubrick. John Malkovich. Bienvenue. Je vous en prie. Appelez-moi Kubrick, le film sortira le 4 janvier prochain, un film de Brian W. Cook, un réalisateur qu'on ne connaît pas bien, puisque je crois que c'est son premier film. Il était premier assistant sur pas mal de films qui Kubrick il a fait. Alors, Appelez-moi Kubrick est un film qui raconte une histoire vraie, même si j'imagine elle a été un peu romancée pour oui. ce film, mais une histoire incroyable d'un garçon qui s'est fait passer pour le grand réalisateur Stanley Kubrick. Il faut expliquer peut-être que on connaissait pas bien forcément le visage de Stanley Kubrick, en tout cas le grand public, oui. parce que c'était quelqu'un de rare, de discret, qui acceptait peu oui. d'interviews, donc c'était assez facile de se faire passer pour lui, même si on ne lui ressemblait pas. Regardons ensemble la bande-annonce. We have come to see it. Mr. Who? I need to contact him. So, who are you? I'm not who you think I am.
I didn't catch your name. Who are you? I've always been him. I am him. I'm Stanley Kubrick, the film director. Very pleased to meet you, Mr. Kubrick. Are you working on another movie? And who have you got? John Malkovich. John who? Tommy Cruise. Ah, Jesus. That is just amazing. I beg your pardon? I'm Stanley Kubrick. Kubricks, please be quiet and eat their lunch. Appelez-moi Kubrick le 4 janvier prochain sur vos écrans avec John Malkovich entre autres. C'est une histoire incroyable d'un imposteur, d'un profiteur. Et en plus, il le fait parfois pour une course de taxi, c'est-à-dire pour rien. Oui, oui. Est-ce que c'est pas pour le plaisir avant tout? Oui, je crois que oui, parce que je crois que sa vie, il n'a pas réussi, évidemment. Et pour lui, c'était une façon d'être connu, d'être aimé, en fait. Et il n'a jamais vu un film de Kubrick. Il a commencé, je crois, de voir un film. Et il est devenu très fatigué après une minute. dans l'histoire réelle, puisque c'est une histoire vraie, comme on le dit, il est aussi homosexuel oui. Oui, parce que là c'est un rôle de folle, comme on dit. Quoi. Oui. Ouais. En revanche, Kubrick n'était pas homosexuel. Non, justement, c'est ça qui est drôle. Non, et comme ça... Après, il a reçu pas mal des appels à propos de son C'est-à-dire que ce type faisait passer ça, vraiment... Il n'était pas énormément content. C'est ça qui est fou, c'est que ce type faisait passer Stanley Kubrick pour un dragueur au mot incroyable. Oui. Vous avez vu le film, Elsa Fayer? Écoutez, c'est aussi pathétique que grandiose. J'espère que vous allez être récompensé pour ce rôle parce que réellement, vous le méritez. Et alors, je me suis dit, bon, c'est un film, John Malkovich ne doit pas être comme ça. Et là, je tombe sur votre bio et je tombe sur une phrase que vous dites. Et là, vous me faites un petit peu peur. Vous dites, ma fille aînée, vous parlez de vos enfants, et vous dites, ma fille aînée est sauvage et cruelle avec son petit frère. Je l'adore, elle est magnifique, mais elle n'est pas fragile. Elle est dans la lignée de mon père et de ma sœur, dure, inacceptablement dure. Que puis-je faire autrement que la civiliser? Donc là, je me suis dit, John Malkovich est un petit peu psychopathe aussi. Alors, comment vous êtes avec vos enfants? C'est pas une question de moi, c'est de ma fille. Mais vous admirez le fait qu'elle soit comme ça un petit peu? Elle était née comme ça. Il ne faut pas... C'est pas la peine même d'essayer de comprendre. À changer elle. On en tout cas, bravo. Elle est quand même pas comme votre frère qui s'asseyait sur votre figure quand vous aviez 6 ans et lui 12. Là, c'est pire, ça. Pour vous réveiller le matin. Peut-être c'était pire, mais en fait, lui aussi, il était très drôle, malheureusement. Jean-Luc a vu aussi, appelez-moi Kubrick. Là, c'est une histoire incroyable de voir quelqu'un qui usurpe une identité parce qu'on ne voit pas la personne. Imaginez Stevie qui se fait passer pour Mylène Farmer. Tu vois, il l'a fait chez Patrick Sébastien. Ah ben voilà, exactement. Et il faut dire aussi qu'il y a la présence de Kubrick pendant tout le film, aussi avec l'utilisation des musiques des films de Kubrick. Et pour les fans, on retrouve notamment la première scène où on pense évidemment à Orange Mécanique. Et donc, il y a le fantôme de Kubrick pendant tout le film. Et c'est aussi une superbe réflexion sur le culte de la célébrité, à savoir d'être célèbre et tous les gens qui voudraient approcher des gens célèbres. Donc c'est une vraie réflexion. Ouais. Ce que je voudrais savoir, c'est pour vous, Alan Conway, est-ce que c'était un mythomane, donc quelqu'un de malade, ou juste un artiste qui réinventait sa vie? Je crois que tous les deux, ça veut dire qu'il était mythomane, évidemment, mais à la même fois, je crois qu'il a eu pas mal de talent, quelque part aussi. Christine Bravo. Alors, vous êtes rassurée parce qu'avant l'émission, elle m'a dit « Oh là là là, j'ai la trouille d'avoir John Malkovich sur le plateau, il me fait peur, il a l'air méchant. » Il me fait peur. Je trouve que vous avez un visage inquiétant, avec une perversité dans le regard. Je me dis « C'est pas possible, il l'a. C'est pas possible, il peut pas jouer un pervers pareil s'il l'est pas. » Je vous donnerai son téléphone à Christine Bravo. Ah ouais, ouais, j'ai envie d'essayer des trucs avec vous, je vous raconte. Perry Cochin. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec Christine. Il ne me fait pas peur une seule seconde. Par contre, je vous trouve intrigant. C'est vrai, parce qu'il y a quelque chose de très étrange en vous. Alors, est-ce que c'est
de la très grande timidité, je ne sais pas, ou est-ce que c'est un style que vous cultivez? J'aimerais bien savoir là-bas. Non, ça c'est peut-être plutôt une timidité en fait. Il ne faut pas oublier, ça veut dire d'être acteur, c'est d'être quelqu'un qui cache. Ouais, en réserve. En réserve, derrière quelqu'un d'autre, dans la vie de quelqu'un d'autre, avec des actions de quelqu'un d'autre. Oui, mais ça, c'est votre métier de comédien. Mais dans la vie de tous les jours, là, vous n'êtes pas en train de jouer la comédie, vous êtes vous-même. Mais comme ça, donc. Oui, bah si, je joue un peu la comédie quand on est invité sur un plateau télé. On joue toujours un peu la comédie. Il n'y a pas de vie de tous les jours quand on est un grand acteur. Vous me faites penser, c'est un beau compliment que je vous fais. Le seul acteur qui m'a impressionné dans ma vie que j'ai interviewé, c'est Laurence Olivier. Et vous me faites penser à Laurence Olivier parce que vous avez justement cette douceur et ce machin. De temps en temps, on voit qu'on croise non pas votre œil, mais vos styles. Et on se dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, bien sûr qu'il fait peur. Il fait peur terriblement. Et plus encore quand il sourit. Mais oui. Quand vous êtes dans Javert, des Misérables, mais vous faites une peur horrible. Oui. Et la question que je vais vous poser, qui est très simple, c'est, on sait qu'il y a des gens qui ont l'air très gentils et qui sont des mauvais cons dans la vie. Ouais. Vous qui avez l'air très méchant, est-ce que vous êtes quand même un mauvais con ou est-ce que vous êtes gentil? Et après, on donne la parole à Stevie. Peut-être de temps en temps, mais pas vraiment. J'ai eu plutôt peut-être une mauvaise tempérament quand j'étais beaucoup plus jeune. Stevie, vous l'avez. Il y a donc, on vient de le dire, l'acteur, comédien, mais lui aussi journaliste, peintre, dessinateur, et il a une société de création, il est styliste. Ah, j'étais sûr que ça allait vous intéresser. Oui, bah, j'ai sauté, d'autant plus que je ne savais pas. Le look de John Malkovich, ça vous va là? J'aime beaucoup. Ah. C'est un peu dandy british, je sais pas. Moi, la cravate et les manches. Oui, tout est. Mais c'est parfait. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que moi, quand je vois votre collection, donc chaque modèle porte un nom à peu près, enfin bizarre. Par exemple, il y a une veste qui s'appelle Dépression nerveuse. Autrement, il y a aussi un sweat qui s'appelle Fucking Commie Sweat. C'est l'insulte qui veut dire enculé de communiste, en gros. Et ma question, c'était ça. Est-ce que vous faites passer vos idées ou des coups de gueule? Parce qu'il y a aussi sur un manteau pour les talibans, enfin un manteau taliban, vous avez fait aussi. Oui, il y a aussi la mini-mola. C'était pas en fait taliban, c'était après le silhouette de leur robe, leur gelaba, leur truc. Et il s'appelle mini-mola. Comme les figures. Vous faites pas figures. Il est fou, moi je le dis depuis qu'il est arrivé. Il est fou. Il est pas méchant, il est fou. On revient au film Appelez-moi Kubrick. Si vous avez envie de vous amuser, de voir une performance d'acteur, ça on peut le dire, celle de John Malkovich, de voir effectivement en plus des costumes incroyables et une musique aussi évidemment passionnante. Je vous montre d'ailleurs la bande originale du film de Brian W. Cook. Eh bien, n'hésitez pas à aller voir à partir du 4 janvier dans toutes les salles Appelez-moi Kubrick avec John Malkovich. Merci beaucoup. Pour répondre à la grave crise dans les banlieues, le 7 novembre dernier, souvenez-vous, le Premier ministre, M. Dominique de Villepin, a proposé d'autoriser les jeunes en situation d'échec scolaire à entrer en apprentissage dès 14 ans au lieu des 16 ans jusque-là prévus. L'annonce de cette mesure a suscité de nombreuses réactions, certaines particulièrement hostiles, de la part des enseignants qui considèrent que l'apprentissage d'un métier dès 14 ans est une remise en cause de la scolarité obligatoire. D'autres, évidemment, sont pour. Pour en savoir plus sur cette réforme, voulu par M. Dominique de Villepin et tenté d'ouvrir un débat ici sur ce plateau. Nous allons accueillir le député des Hauts-de-Seine, président de la Commission des affaires économiques de l'environnement et du territoire, M. Patrick Ollier. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. L'apprentissage dès 14 ans au lieu de 16 ans, peut-être avant d'ouvrir le débat sur le plateau, si débat il y a d'ailleurs, parce qu'on va peut-être tous d'accord, allez savoir, ça pourrait arriver. Ce serait bien de préciser exactement qu'est-ce qui va se passer justement entre 14 ans et 16 ans. C'est deux nouvelles années qui vont peut-être exister désormais en apprentissage, parce que je crois que l'apprentissage ne commence pas vraiment à 14 ans. Alors dans le projet du Premier ministre, oui, l'apprentissage aujourd'hui c'est 16 ans, jusqu'à 25 ans. Dans le projet de Dominique de Villepin, c'est à partir de 14 ans, une initiation au métier,
à partir de 15 ans, le pré-apprentissage et à 16 ans, l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on avance de 2 ans pour qu'on puisse rentrer dans une phase d'initiation à un métier. À 14 ans, vous saviez que vous vouliez faire de la politique ? Je l'ai su à 16 ans, moi. Mais c'est même au-delà de ça. Il y a un argument, je pense, qui est important. C'est à 14 ans, un enfant qui n'a plus envie d'aller à l'école, qui fait un vrai rejet, qui est en échec scolaire et qui s'emmerde en classe, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, ou il sèche l'école, ou il y va et il emmerde les autres. Et donc, il tire la classe vers le bas et au final, il handicape une classe entière, probablement parce Ça dépend dans quel quartier il est scolarisé. Attends, dis pas n'importe quoi. J'ai été instite. Il y a peut-être, avant de dire qu'il fait chier la classe et qu'il handicape et qu'il tire le monde vers le bas, il y a peut-être d'abord essayer de le changer d'établissement. C'est-à-dire, au lieu qu'il soit dans une zone prioritaire, une ZEP, où il y a effectivement plus de la moitié des mômes qui sont en échec scolaire parce que les familles sont dans une débine, dans une merde, déjà on essaye de les mettre dans des établissements corrects. Pour voir s'ils se récupèrent. D'accord, alors laissez parler le problème. Monsieur, excusez-moi. Je mets sur pause. Bienvenue chez nous. Ce que dit Christine Bravo n'est pas faux, elle a raison. Mais si les parents considèrent avec l'enfant... T'es dégueulasse toi. Non, je préférais partir applaudi, vous voyez, je sifflais. Christine Bravo n'a pas tort. Si les parents et l'enfant choisissent de changer d'établissement, ils sont libres, ils le feront. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir une voie, et une voie qui débouche sur un métier. Le travail manuel n'a rien d'honteux. Et ceux qui ont eu des parents qui ont travaillé un travail manuel, maçon ou autre, ils le savent. C'est une fierté de pouvoir revenir à la maison avec un salaire qui fait vivre sa famille. Cette mesure, vous pensez que c'est une petite mesure ou une mesure très importante ? Sincèrement, je la trouve très importante. Moi, je crois que c'est une mesure extrêmement importante. Exactement. Elle remet en cause beaucoup de choses. Et que cette mesure remet en cause tant de choses. Ça marque la fin de l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est faux. On a la faculté de faire autrement. On peut trouver dans cet apprentissage une voie intéressante, c'est sûr, à 14 ans. Et c'est vrai qu'on manque de plombiers, c'est vrai qu'on manque d'ouvriers. Mais vous acceptez que l'éducation à la française ait été un loupage, au lieu d'essayer de l'améliorer. Exactement. Alors on laisse répondre Monsieur Patrick Ollier. Je pense que sur la scolarité à 16 ans, vous avez tort, excusez-moi. Vous le dire aussi brutalement. Parce que dans le principe qui a été admis par le Premier ministre, la scolarité n'est pas rompue. De toute manière, le principe de l'apprentissage existe depuis à peu près 60 ans. Personne ne s'est plaint que l'apprentissage à partir de 15 ans, le pré-apprentissage, rompait avec la scolarité jusqu'à 16 ans. Ce n'est pas vrai. Et personne ne s'en est plaint. Aujourd'hui, parce qu'on dit qu'à 14 ans, on commence à faire de l'orientation, car cette année-là sera une année de l'orientation, il y aura quelques heures seulement par semaine de familiarisation avec l'entreprise, on reste dans le cadre scolaire, et si d'aventure l'enfant veut revenir dans le cadre à 100% scolaire jusqu'à 16 ans, il pourra le faire. C'est donc il n'y a pas de monde, excusez-moi, il n'y a pas de rupture. Le projet Monory, on sait. Il n'y a pas de rupture, Monsieur Benichou, premièrement. Deuxièmement, sur l'égalité des chances. Pour moi, l'égalité des chances, c'est que l'État soit capable de donner à des personnes issues de milieux différents la même possibilité pour réussir dans la vie. Et si l'égalité des chances passe par l'inégalité des traitements, l'important, c'est que la chance soit la même de réussir. Le rêve qui consiste, d'une manière, excusez-moi, utopique, de dire il faut, parce qu'il faut, que 80% des enfants passent le bac. Il faut qu'ils s'emmerdent au fond de la classe. Jusqu'à 16 ans, pour passer à l'école, son temps jusqu'à 16 ans. Il faut, comme ça, jusqu'à 16 ans. Et qu'à 18 ans, ils soient inscrits au chômage. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux que l'enfant, s'il le souhaite, avec ses parents, ait le droit, s'il le veut, c'est la liberté de choix, tout en étant scolarisé, de s'orienter vers un métier et qu'il puisse gagner sa vie et qu'il ne soit plus au chômage. Que vous connaissez beaucoup de gens qui vous disent « Moi, je suis pour que les gens soient au chômage et je suis pour qu'il n'y ait pas de liberté de choix. » Vous dites des banalités comme tous les hommes politiques. Ah, parce que ce que vous dites n'est pas banal, vous. Non, non, Elsa, c'est la fin d'un rêve. Vous êtes meilleur au Nouvel Ops, M. Benichou. Elsa Fayer. Moi, je suis très partagée parce que c'est une belle idée que vous avez. Moi, je trouve que votre idée est très utopique aussi parce que sur le terrain, je ne suis pas sûre que ça se passe aussi bien que vous le dites. Moi, je pense que vous écarter le problème avant toute chose. Et que voilà, les élèves qui sont en difficulté, on les met en apprentissage. Et c'est un petit peu facile. Parce que comment ça va se passer au conseil de classe ? Les élèves qui ont des possibilités, mais qui n'ont pas une famille qui leur permette peut-être d'apprendre et de s'intéresser aux choses, qu'est-ce qui va se passer au conseil de classe ? On va dire, toi,
écoute, c'est bien gentil, tu as envie de réussir, on va te proposer une solution qui va être plus concrète pour toi, on va t'orienter. Et ce gosse-là, peut-être qu'il aura le déclic à 17 ans, peut-être qu'il aura le déclic à 18 ans, peut-être qu'il aura envie de devenir médecin ou avocat, peut-être qu'il se donnera les chances de réussir, mais nous, on va pas leur donner, on va pas lui donner cette chance. Alors à ce moment-là, ce jeune, qu'est-ce qu'il peut faire s'il a ce déclic et qu'il a envie de réintégrer? Il fera comme avant, c'est-à-dire qu'avant 16 ans, entre 14 et 16 ans, s'il a envie de rester dans le cursus strictement scolaire, il pourra le faire. Lorsqu'il aura signé le contrat d'apprentissage, ça sera à ce moment-là plus difficile pour lui, je l'admets, puisqu'il rentrera dans une phase qui sera de formation très active. J'ajoute qu'à 14 ans ou à 15 ans, dans cette phase d'orientation de pré-apprentissage, le socle d'enseignement général sera à peu près équivalent à celui qu'il reçoit aujourd'hui. Et alors, écoutez-moi, qui ici est contre le système sport-études? Qui conduit boulanger-études. Mais oui, ça s'appelle l'apprentissage. Ça s'appelle l'apprentissage. Mais oui, c'est ça. Vous avez raison. Ah bah alors d'accord. C'est ça. Parce qu'il y a la peine. Jean-Luc et Stevie qui n'ont rien dit, on les laisse parler. Non, mais je trouve ça très bien. Votre réforme, je la trouve juste un peu tiède. Moi, je mettrais les gamins au boulot à 4 ans. Parce que très honnêtement, il y a des gamins à 4 ans, vous vous rendez compte qu'ils ne feront rien de leur vie et tout. Et en plus, comme ça, à 5 ans, à la fête des mères, ils ne nous feraient pas des colliers de nouilles, mais des baskets, au moins des choses comme ça. Je pense que là, ça serait concret. Ce que je voudrais savoir, c'est... Non, je ne suis pas du tout d'accord avec Pierre Cochin. Je trouve que 14 ans de décréter que l'enfant, justement, sait ce qu'il veut et tout, c'est impossible. Personne n'a dit ça. Non, mais, dit ça, mais tu disais, pourquoi le laisser alors qu'il se fait chier? Oui. Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être remonter la source du problème, parce que ça, c'est juste la conséquence. Et pourquoi il se fait chier à l'école? Il y a aussi l'idée que les jeunes se font en se disant qu'à diplôme égal, ils n'auront pas les mêmes ouvertures au niveau professionnel. Donc, il faudrait peut-être reprendre le problème au tout début. Et là, j'ai l'impression que ça c'est un lot de consolation. C'est juste, on ne va pas résoudre le problème, mais on vous donne une voie B. Mais ça reste quand même une voie bis. Je ne vois pas en quoi c'est vraiment quelque chose. Jean-Luc Lemoine, monsieur Ollier. Oui, dans la vie, il y a les optimistes et les pessimistes. Moi, je suis du côté des optimistes. Je pense que lorsqu'on donne une chance à un jeune, c'est être optimiste que de pouvoir penser qu'il va la saisir pour trouver sa voie. Personne n'oblige personne à rien faire. Vous dites tout à l'heure, on le met dans une sorte de carcan, en gros, c'est ce que vous dites, qui le conduit obligatoire. C'est pas vrai. Un, liberté de choix. Deux, scolarisation. Que le choix soit libre à 15 ans ou qu'il soit libre un an avant... Je ne pense pas que ça change grand-chose. Oui. Stevie. Déjà à 14 ans, je ne sais pas dans quelle classe on est, on doit être en 4e ou 3e, c'est ça? Normalement, c'est notre premier stage. Enfin, je pense que c'est toujours comme ça, mais à mon époque, c'était comme ça. Quand on est en 3e, aux périodes des fêtes, on va faire notre premier stage en entreprise pour nous faire découvrir la vie active. Donc, ce stage, je l'ai fait. Moi, personnellement, j'étais... parti faire ça chez un coiffeur qui était une amie de ma mère, enfin bref. Tout s'explique. Donc j'étais parti faire ça. Vous voyez que c'est dangereux. Faire ça. Et je pense que c'est vraiment trop tôt. Peut-être pas trop tôt, ça peut être très... Non, mais attends. Je pense que ça peut être hyper intéressant si on peut aller vers d'autres métiers, notamment, pas forcément dans le secteur tertiaire, mais aussi découvrir d'autres métiers dans le secteur secondaire. Ou par exemple, ou les métiers libéraux, par exemple. Si un gamin qui a 14 ans veut être sûr qu'il veut être avocat, est-ce qu'il aurait l'opportunité d'aller faire un stage ou un contrat de qualification? Puisque tout ça, en fin de compte, votre mesure, c'est un stage de qualification. Au lieu d'être à 16 ans, c'est à 14 ans, mais les principes sont les mêmes. C'est une initiation, d'accord? Initiation. Cette initiation permet de se familiariser avec quelque chose qui peut ensuite vous donner envie d'aller plus loin ou pas plus loin. Donc je ne vois pas en quoi c'est gênant que l'on fasse cette proposition qui reste liée à la scolarisation, qui n'oblige personne à faire le choix, mais qui offre une possibilité d'anticiper d'un an pour s'orienter vers quelque chose qui débouche sur un métier. Oh non, mais non, je n'ai qu'une phrase à vous dire. Tous les pauvres ne seront pas en apprentissage. Certains resteront au lycée. Certains resteront au lycée. Mais tous ceux qui feront l'apprentissage sont des gens qui viendront des milieux défavorisés. Oui, bravo. C'est un peu vrai, ça. Et ça, c'est sûr. Est-ce que c'est pas un peu vrai? C'est une belle démonstration, ça. Admettons, je dirais même, je vais faire l'avocat du diable. Je suis désolée, je parle à votre place, monsieur, mais franchement, mais vous c'est le faites une tellement énormité. Bien, allez-y. Mon père, il était maçon, il m'a obligé à aller à l'école. Alors, mais tant mieux, et c'est grâce à lui, je suis où je suis. T'as un micro, arrête de gueuler, putain, j'en peux plus, moi. Mais c'est insensé. Mais attends, il y a des gens qui sont super riches. Mon père, il est
Maçonne. Il y a des gens très riches et très contents d'avoir leur môme en apprentissage cuisine ou je ne sais pas quoi parce qu'ils ont une... Oh, oui. Ils font les écoles à Genève, ces mômes-là. Mais non, mais non. À 14 ans, imbécile. Mais fait qu'ils sont chanteuses d'opéra. C'est pas vrai. Juste un point important, monsieur. Une chose que vous n'avez absolument pas évoquée. Mais c'est surréaliste comme débat. Hein. Ah non, mais c'est la parce réalité. Parce que vous êtes complètement à côté de vos pompes, excusez-moi. Hein. Complètement. Alors, monsieur, juste une chose. Un point important que vous n'avez absolument pas évoqué, et je pense qu'il est important parce de parce que moi, dire... je parle de la réalité du terrain et de la vie vécue. Non, mais, si vous connaissez le terrain, la moitié de ce que je le connais, mon cher ami. Vraiment, c'est incroyable d'entendre ça. Vous parlez du terrain. Et d'où vient cette grande connaissance du terrain? Connaissez quoi au terrain? La rue. Sérieusement. La rue. La rue. Connaissez la rue? Oui, je la connais. Tu connais la rue, toi? Donc, je pense que vous avez omis d'évoquer le point important qui est qu'il faut tout de même, malgré cette nouvelle chose que vous proposez, tout de même faire le nécessaire dans les classes pour rendre la scolarité plus sympathique auprès des jeunes et donner envie à tout le monde de rester à l'école. Parce que c'est quand même ça l'idéal, de pouvoir apprendre à lire, à écrire et d'arriver à un niveau normal de lecture. Parce qu'il y a quand même des mômes à 14 ans qui ne savent pas lire, Christine. Et on n'est pas tous obligés de lire. Il y a des gens qui vivent très bien. Mais si, on est obligés de lire aujourd'hui. On n'est pas obligés de savoir lire. T'es folle. Si, c'est pas en France. Mais enfin. Le débat est très compliqué, hein. Enfin, j'espère que vous avez compris que je suis pour la réforme. Alors, faites le nécessaire pour que tout le monde sache lire et écrire, mais en attendant, c'est très bien. Remarquez, c'est pas bête, vous avez emballé la mieux. Mais ça suffit pas dans la vie, ça. Je vais me faire engueuler par ma femme à rentrant. Ah non, vous n'avez pas parlé, madame Michèle Alliot-Marie, alors c'est vous qui en parlez. Et c'est votre femme, on voulait en parler. C'est votre femme. Et elle a de la défense. Je l'adore, c'est sa femme. Oui. Oh, bah, non, ça c'est, va, son mari, mais... c'est son mari, ah, oui, c'est son mari. Oui, mais je ne savais pas. Moi, j'ai rien à dire, mais c'est juste pour mettre un plan, je préfère être là. Ah, bah, j'aime bien votre femme. Est-ce que je peux partir, moi? Non, on voulait savoir, est-ce que sur l'oreiller, vous parlez défense avec votre femme? Parce que tout ça, c'est bien mignon. Fallait bien que ça se gâte à un moment. Là, c'est un secret défense, je ne peux pas aller plus loin. En tout cas, on vous remercie, ça a été bien parce qu'on a vraiment abordé tous les sujets ici. On voit bien que vous allez avoir quand même du fil à retordre avec cette proposition de loi. Heureusement, vous n'êtes pas dans l'hémicycle. Hein. Il y en a des comme ça dans l'hémicycle? Dieu soit loué, non. Reviens. Ben c'est ça qu'il faut. Vous avez de la chance, je vous remercie. Merci. Allez, on va essayer de calmer les esprits aujourd'hui avec l'amoureux de la langue française, de l'érotisme et des plaisirs culinaires, le chanteur préféré des Français, il faut le dire, Pierre Perret. Il n'y a personne qui n'aime pas Pierre Perret. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « je n'aime pas Pierre Perret ». Si, Elsa Fayer. Non, c'est pas vrai. Alors, chante pas et moi. Dessine avec Pierrot est un grand livre, cahier destiné aux enfants, justement, pour leur apprendre à chanter et à dessiner, accompagné d'un CD reprenant les plus jolies chansons de l'ami Pierrot, excepté le zizi, parce qu'il ne faut pas les traumatiser non plus, tout petit. Pierre Perret vient également de sortir Le Monde de Pierrot, une sorte de long box best-of, autrement dit, une longue boîte avec 3 CD best-of dedans. Finalement, du best-of, on n'en sort pas. Accueillons tout de suite et très vite Pierre Perret qui fêtera ses 50 ans de scène. L'année prochaine, à la bonjour Pierre. Vous savez, j'ai du mal ici. Pierre, je compte sur vous, on commence à se connaître un peu depuis tant d'années et l'actualité que vous avez toujours foisonnante, il va falloir que vous m'aidiez sur ce plateau, c'est la foire ici. Ben moi, et je en plus, ça... c'est un fouteur de merde, lui. Il fait la vaisselle cassée, tout ça, dans les banlieues. Ça ne me déplaît pas de foutre la merde de temps en temps. Vous avez entendu le débat sur l'apprentissage à 14 ans, vous êtes pour ou contre? Eh ben, je suis avec le monsieur, là. T'es pour? Ouais. Pourquoi? Allez, c'est reparti. Allez. Non, c'est intéressant d'avoir l'avis de Pierre Perret. Ben si, parce que j'ai vu vraiment plein et trop de gamins glandeurs dans les rues, partout, sous n'importe quel prétexte et pour n'importe quelle raison. Mais je trouve qu'ils seront toujours mieux occupés d'avoir le choix, à partir de 14 ans, de poursuivre les études en apprenant un métier
que de rester dans la rue. Tu en prendrais, toi, des mômes en apprentissage sur scène, justement, pour ramener les costards. Il y a la Starac pour ça. Non, mais allez, on oublie ce débat. Chante et dessine avec Pierrot un CD 11 chansons, un conte, un CD karaoké. C'est bien parce que de toute façon, moi j'ai même pas besoin de la musique pour chanter Vaisselle cassée. Alors là, je suis le premier, je la connais par cœur. Allez. Vaisselle cassée, c'est la fessée, vaisselle foutue, pampan cucu. Ça serait mieux que le karaoké quand même. Bah, regardez un extrait du DVD avec des enfants, justement, Pierre Perret. Dessine avec Pierrot. Évidemment, vous connaissez Pierre Perret, Stevie. Évidemment, je connais. Bah, moi, je trouve ça bien. Ça nous apaise. Enfin, c'est quelques grammes de finesse dans un monde de brutes. Oh, c'est mignon. Mais non, je trouve ça bien, l'idée originale. Donc, ouvrez la cage aux oiseaux. Une incitation quand même à la délinquance. Qui m'a valu pas mal d'emmerdement, on peut bien le dire aussi. Bien, ça s'en sort depuis qu'il est avec le gouvernement. Et qui veut l'aider, l'apprentissage très dur, fermer la cage aux oiseaux, c'est une bonne chanson, ça. Il va transformer les paroles, vous voulez dire. Fermer la cage aux oiseaux. Ah, il est venu réac, hein. Non, mais alors, en tout cas, ce livre, il est idéal pour les gamins quand ont envie d'être tranquilles. Parce qu'ils peuvent écouter de la musique, ils ont les chansons, ils peuvent dessiner. Donc, c'est quand tu as envie de regarder un film tranquille chez toi, tu as tes petits cousins, tes petites cousines, vous achetez ça, vous leur donnez ça dans la chambre, on les entend pas pendant 2 heures. Vous êtes tranquille pendant 2 heures. Très bien, merci pour eux. Indépendamment de l'effet cardinal dont parle monsieur Stevie, moi je suis ravi toujours quand j'entends et quand je lis et quand je vois à la télévision Pierre Perret, parce que c'est pour moi le meilleur qui est su justement allier cette poésie un peu facile. Dans le résultat, pas facile à faire, fragile comme ça, avec un grand succès populaire. Moi je suis en osmose avec tout ce que fait Pierre Perret. Sauf avec ses partis pris politiques sur l'apprentissage, mais ça fait rien. Comme on n'a plus l'âge de la maison de correction, dis-toi, dis-moi, c'est pas grave. Perry Cochin. Alors, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'en fait, vous nous resservez des vieilles chansons. Bah quoi, c'est vrai? Non mais vous avez pas écrit... J'ai toujours dit que la droite était vulgaire. Non mais attendez, je suis désolée, c'est des chansons qu'on connaît, ce ne sont pas des nouveaux textes que je sache. Bon, bah voilà. Mais donc ils réutilisent des vieilles chansons, contrairement à beaucoup de chanteurs qui nous sortent juste un nouveau CD emballé avec juste une nouvelle photo. Là, vous avez fait un vrai boulot avec une vraie présentation. Bon, vous avez profité des dessins des mômes, ça, d'accord. Mais non. Ce que je voudrais savoir, c'est les enfants de l'école, l'école qui font. Vous avez exploité les enfants, ça. Voilà. Un exploiteur qui nous file des rogatons. Non, alors, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Des dessins, là. Non, mais plus sérieusement, vous avez 10 écoles dans le monde qui portent votre nom. J'ai vu ça. Ça, c'est super. J'ai inauguré la dernière la semaine dernière, donc je ne peux pas me tromper. Où c'était ça? La 10e dans le nord, près de Béthune. Mais quel effet ça fait? Petite ville. Bah, c'est vivant, je dois dire génial. Que c'est vraiment... Méfiez-vous, Jack Lang en est à une déjà. Il peut vous rattraper, Jack. Il ne me rattrapera jamais. Vous savez ce qu'il avait dit, Pagnol? Il chante moins bien que moi. Marcel Pagnol, son père était instituteur. Et on lui a dit d'inaugurer un lycée qui s'appelait lycée Marcel Pagnol à Marseille. Alors il a dit, mais non, c'est trop d'honneur. Puis il a dit, au fond, oui, d'accord. Il est arrivé, il a dit, je suis heureux d'inaugurer ce lycée qui porte mon prénom et le nom de mon père. Oh, c'est joli, hein? C'est beau, oui. Ah,
Elsa Fayer. Ah, moi j'adore Pierre Perret depuis toute petite, parce que d'abord Pierre Perret, ça a été la passerelle avec ma mère, parce que ma mère adorait Pierre Perret petite, et moi elle m'a transmis cet amour que j'ai envie de transmettre à ma fille. Alors je lui fais écouter du Pierre Perret, et je me suis aperçue finalement, maintenant que je suis maman, que ce qu'il y a de formidable avec vos chansons, c'est que finalement quand les enfants écoutent les parents chanter, c'est on fait des bêtises avec maman, parce que quand maman chante, on va casser la vaisselle. Pour eux, mais c'est formidable, c'est maman fait des bêtises, maman est proche de moi, et voilà, donc merci pour vos chansons, et ma fille a adoré votre livre, alors elle a inauguré le truc par un super beau dessin, son truc préféré c'est on va casser les assiettes, elle a trouvé ça génial, d'ailleurs ce soir je pense que je vais en faire les frais, donc voilà, c'est pour vous. Non, ça c'est toi qui l'as fait celui-là. Mais oui. Non, ça c'est réel. Elle, c'est une, parce qu'on l'appelait cuisse de mouche, fleur de banlieue. <quand même. rire> C'est joli. Jean-Luc. Non, moi je trouve déjà formidable de donner des noms de chanteurs à des écoles, moi qui étais au lycée Patrick Juvé, donc... Mais moi je crois tout. Honnêtement, je vais vous dire, franchement, j'ai eu peur au début parce que j'ai vu que vous chantiez avec des enfants et je me suis dit, encore un qui surfe sur la vague des choristes et tout. Et moi, les choristes, la façon de chanter, j'ai envie de les flinguer pour être très honnête. Et non, et là, c'est charmant quoi. On sent que c'est des enfants, c'est pas parfait, mais ça a un charme fou. C'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. Ouais, mais ils étaient tous terrorisés. Ils étaient vraiment petits. Ils avaient entre 4 et 6 ans quoi. Il y en a un des petits gamins qui m'a dit. Oh, Denis s'est approché de moi et m'a fait « T'es vieux, hein ?» Alors j'ai dit « Ben, tu sais, j'ai été comme toi, très jeune, mais il y a quelque temps déjà. » Il m'a dit « Tu as 30 ans. » Il y a un gros problème. Vous n'avez pas soulevé, il y a un gros problème. Allez. Ah non, il y a un gros problème. Vous faites un album pour les enfants, avec des chansons pour enfants. Là, c'est des chansons plutôt destinées aux enfants, là-dessus, c'est normal. Ah, Napo Napito, La Cage aux Oiseaux, Donnez-nous des jardins, Commencez la Chine. Très bien, tout ça, mais non, il y a un gros problème. Mais quoi? Ben, il n'y a pas « Vas-y, tonton, fais une photo ». Ah, la photo, oui. Ah, ça, il aurait dû y avoir. Vas-y, oui, tonton, fais une photo et tu appuies sur le bitonio. Non, il manque. Ça, c'est non, là, il y a un gros problème. Et allô, Olga. Mais celle-là, elle était vraiment pour enfants, celle-ci. Oui, vrai, et allô, Olga, elle est nulle part aussi. Non, mais Olga, c'est pas pour les gosses. On est bien, allô, Olga. Le chibre, aussi tant que vous y êtes. Le chibre. Oui, il y a une chanson qui s'appelle Mon chibre, Christine Bravo. Eh bien, je savais pas ce que c'était qu'un chibre. Et si vous aviez étudié, comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 3 heures J'ai ce matin, étudié. Vous l'auriez vu sur la longue box qu'il y avait une chanson qui s'appelait Mon chibre. Eh bien, ben, c'est un. Vous l'auriez vu, mon chibre. Alors, je l'ai vu. Je l'ai vu! C'est à moi de chanter. Oui, vas-y. Allez, vas-y. Bah, tu changes pas. Allez, vas-y, mémé la jactance. Moi, je l'ai invité quand j'étais vedette, souvent. T'avais la même tête il y a 15 ans. Alors, je sais pas, tu fais quelque chose? Tu fais des implants? Tu fais quoi? Non, mais Pierre Perret, les tabourets et le reste, tout est pareil. C'est quoi, les tabourets? Rien n'a bougé. C'est vrai? Je connaissais pas ni le chibre, ni les tabourets. C'est quoi, les ratiches? Et pourtant, ça va souvent ensemble. Deux beaux cadeaux pour Noël, pour les enfants, chante et dessine avec Pierrot. Pour les adultes, Pierre Perret, Le Monde de Pierrot. 3 CD, 3 x 20, ça fait 60, hein, c'est ça, 60 chansons. Quoi? Non, pas 60 euros. Je vais aller la coucher, moi. Hein, parce que... Attendez quand même, le kick a vu qui, kick a vu quoi? Ça va être une nouvelle foire d'empoigne, autant vous dire, là, parce que c'est le dernier jour de la semaine. Demain, nous ne serons pas là, et samedi non plus, puisque c'est le Téléthon sur France 2. Vous l'avez fait, hein, déjà, parrain du Téléthon, non? Je suis le seul à avoir été 2 fois parrain du Téléthon. Voilà, et c'est Yannick Noah qui, ce week-end, sera le parrain du Téléthon. Très bon parrain. Auprès de Sophie Davant pendant tout le week-end, à partir de demain soir. Nous, on se retrouvera évidemment lundi.
C'est vous dire si c'est important ce soir, le qui a vu quoi. Jean-Luc Lemoyne, 29 points. Mais il est largement en tête. C'est incroyable. Il écrase tout le monde. Il n'y a même plus de match d'ailleurs en tête. Le match maintenant, il est dans le bas du classement. Regardez pour la place de la Lanterne Rouge. Perry Cochin, Christine Bravo, Pierre Bénichou. Stevie, en revanche, et Elsa Fayer sont toujours dans la course. Dans la course. Dans la course. Première photo, regardez. Qui sont ces jeunes gens? Des astronautes. Des astronautes. Je veux bien ne pas parler, mais t'as les doigts sales. C'est juste. Des sportifs. Des sportifs, non. Des prisonniers. Non. Ils ont eu un prix. Un prix. Non. Ah, ils ont gagné la dictée. Non, pas la dictée. Le truc de pivot, ils ont fait la dictée. Bravo, pivot. Bonne réponse, un point pour Elsa Fayer. Les lauréats de la dernière dictée de pivot, vous l'avez dit. Merci. C'est un point pour Elsa, toujours dans la course, Elsa Fayer. C'est pas Bénichou, bravo, Cochin, Elsa. Elle y va. Photo suivante. Tu es à fond, là. Qui est-ce, monsieur? Malkovich. John Malkovich, bravo. Je l'ai dit, c'est vrai? Pas du tout. Albert Monaco. Albert de Monaco. Albert de Monaco, excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. C'est injuste. Parce que moi, je ne sais pas tout ça, parce qu'on m'a mis en apprentissage à 12 ans. Photo suivante. Le tableau restitué Lazare. Dans les bravo, excellente réponse de Stevie Boulet. Un tableau volé restitué à l'église Saint-Roch, le tableau de Lazare. Stevie dans la course, le match avec Elsa. Alors que bravo, Bénichou et Cochin sont toujours dans les choux. Bénichou dans les choux. Je me mets à la portée des saltimbanques ici, oui, alors. Photo suivante. À qui parle ce monsieur? Au pape. Pas du tout. À quelqu'un? À quelqu'un, oui. Je vous demande à qui. Est-ce que ce sont des policiers? Ça se passe en France. À De Villepin. À Sarkozy. Excellente réponse de Stevie Boulet. À Dominique De Villepin, son DFDF, que le Premier ministre est allé rencontrer. Méfiez-vous, hein. Ah, méfiez-vous, il vous remonte. Ah non, vous faites peur. Non, pas ça. Pas ça, je vous en supplie. Merci, hein, juste pas dans la merveille. Qui est cette jeune Clémence Poésie. Clémence Poésie. L'actrice française d'Harry Potter, Clémence Poésie. Excellente réponse d'Elsa Fayer. Non, je l'ai dit en premier. Pierre, pas trop démoralisé. C'est Pierre Perret. Effectivement, c'était Pierre Perret, notre invité. Pour chanter et dessiner avec Pierrot. Et la longue box avec 3 CD, 60 chansons, en attendant évidemment de fêter le jubilé, Pierre Perret, l'année prochaine. Et méfiez-vous, vous êtes menacé de me revoir parce que je suis obligé de revenir l'année prochaine, en octobre. Je fêterai mes 50 pistes de chansons à l'Olympia. Et peut-être un nouvel album l'année prochaine. Oui, bien sûr. Nouvel album en plus. Merci Pierre. Bon week-end sur France 2. Regardez le Téléthon et nous on se retrouve lundi. Bon week-end.